Sept ans après, la vérité n'est toujours pas éclaircie concernant la mort de Gilles Dude, un jeune mécanicien de 33 ans mort écrasé par le train d'atterrissage d'un Airbus A300. Du point de vue du droit d'accès à la justice de chacun et du droit d'accès à la justice des victimes, je considère aujourd'hui qu'on est dans un délai déraisonnable de procédure. Il va sans doute y avoir des appels des décisions du tribunal correctionnel, quelles qu'elles soient, et finalement, lorsque le tribunal statuera, il risquera de s'être passé 10 ans. Est-ce qu'il est raisonnable de faire peser sur les parents d'une victime 10 ans de procédure pour simplement leur permettre d'avoir accès un jour peut-être à la vérité? Personne actuellement n'a été mis en cause. Le 7 juin prochain, le tribunal se prononcera sur la recevabilité de la citation directe. L'affaire pourrait enfin être jugée en profondeur. Dans le cas contraire, le dossier sera clos.